Dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleures astuces pour avoir un shoot incroyable. Donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour obtenir un V-Bucks et balance la tronche. Genoui. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton... Salut à tous, c'est Badiar, c'est RPG Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me démonter cette barre des pouces bleus. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais très peu de vues. J'ai plus de 8000 abonnés et je fais 100 vues par vidéo alors que je m'investis, frérot. N'hésite pas à laisser ton pouce bleu, à mettre le code créateur RPG Gaming FR parce que j'ai moins de 10 soutiens dans la boutique, à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Tu vas voir, il est vraiment incroyable, sans me vanter, c'est l'un des meilleurs serveurs francophones. Tu vas voir, c'est insane. Et dans cette vidéo, je vais te donner plein d'astuces et une routine à faire pour avoir un bon shoot CS. Parce que oui, j'ai reçu pas mal de commentaires en mode, ouais, c'est cool d'avoir un bon shoot à la manette avec l'aide à la visée, mais sur clavier souris, c'est plus compliqué. Et sans me vanter, j'ai un très bon shoot à la manette et j'ai vraiment un bon shoot sur clavier souris. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques petites astuces et quelques maps incroyables qui vont te permettre d'avoir un shoot monstrueux, hein. Franchement, un meilleur shoot que ce Kerry. Pourquoi je dis ça, gros? Enfin bref, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à te sub à ma chaîne YouTube. T'as des abonnements qui vont de 5 à 100 euros et ça me ferait extrêmement plaisir. Et à l'heure actuelle, j'ai 0 sub. C'est assez compliqué de gagner très très peu sur YouTube. Donc merci si tu le fais, même si je sais qu'il n'y a personne qui va le faire. Mais bon, c'est pas grave, hein. En échange quand même, j'accepte un ami, tu deviens plus facilement modérateur, t'as des grades, des émoticônes, des badges exclusifs. Enfin bref, on va arrêter de trop parler. Là, je suis quand même assez à l'aise, frérot. On va commencer avec le tutoriel. Donc comment avoir un shoot de dieu. C'est bon? T'as mis le code créateur et le pouce bleu, c'est parti. Donc déjà, je vais prendre une SCAR. Le premier conseil, c'est de se baisser et de se relever parce que ça permet de réduire le bloom. Et sans me vanter, j'étais une des premières personnes avec mon Graal à le faire. Et c'est par exemple, tu manesques. Et normalement, si t'as la manette, tu pourras, voilà, comme ça. Mais tu pourras pas le faire plus rapidement parce que t'as la manette. Et moi, je vais te donner une astuce. Donc normalement, t'as une touche pour t'accroupir et t'as la barre d'espace qui te permet de te relever. Par exemple, si ta touche pour t'accroupir, c'est CTRL et pour se relever, c'est espace. Et bah, t'appuies sur CTRL, espace très rapidement. Et là, ça va se baisser, se relever. Et franchement, tu prendras beaucoup moins de tête. T'auras plus ta shoot. Et franchement, les meilleurs pros, la plupart des pros, ils le font. Je vais te montrer. Moi, personnellement, c'est Maj et espace. Donc si je fais mash, ça me baisse. Mais si je fais espace avant d'être complètement baissé, et bah ça va me relever. Et regarde, ça va me faire ça. Et là, mon shoot, frère, voilà. Bon, ça fait un gros bruit avec le clavier, mais je peux te dire que tu dois t'entraîner. Au début, ça va être difficile. Genre, tu vas vouloir te baisser, mais tu vas te lever. Tu vois, ça va faire des trucs comme ça. Mais une fois que tu auras l'habitude, et bah tranquille, voilà. Il faut être debout, hein. Si t'es pas debout, t'accroupis, il faudra pas oublier d'appuyer sur espace. Et après, voilà. C'est vraiment important, hein. T'accroupis, espace, et hop, tu spams. T'es debout, bah tranquille, au calme. Et après, c'est une question d'habitude, mais franchement, ça va vraiment entraîner à mort ton shoot, frérot. Donc, le premier conseil, c'est de te baisser, de te relever pour avoir un meilleur shoot. Et même au corps à corps, imagine, il y a un ennemi qui va rentrer dans ta box. Et bah, au lieu de tirer bêtement comme ça, bah, tu lui fonces dessus, tu te baisses et tu te relèves, tu vois. Et là, franchement, bah, ton shoot, gros, corps à corps, au lieu de tirer bêtement, hop, tu te baisses et tu te relèves. Ou carrément, si tu veux très hard, hop, tu te baisses et tu te relèves comme ça. Tu lui fonces dessus au calme, voilà, en te baissant et en te relevant. Et tu vas voir que ton shoot, là, il va step up. Et encore, c'est que le début. Parce que bon, il y a aussi le choix de la sensibilité. Pas besoin d'avoir une petite sensibilité, une grosse sensibilité. L'objectif, c'est de maîtriser ta sensibilité. Moi, personnellement, j'ai vraiment une très grosse sensibilité. Et je la maîtrise parfaitement. Et c'est sûr que vaut mieux avoir une grosse sensibilité à maîtriser qu'une petite et la maîtriser. Parce que si tu as une grosse sensibilité, tu pourras faire plus de mouvements. Et tu pourras éditer et construire plus rapidement. Bon, maintenant, on va commencer quand même les exercices. Le premier exercice que tu peux faire tout seul. Et après, je vais te montrer un autre exercice. Même si t'as pas d'amis, tu pourras le faire. Tu vas voir. Vraiment, le conseil que je dois te donner, c'est de mettre cette map là. Donc la map, elle est où la cochonne? Elle est ici. Voilà, Raider Practice Hub. Et là, franchement, laisse tomber. Tu peux avoir un système de matchmaking. C'est-à-dire que si t'as pas d'amis en AVS1 pour entraîner ton aim, parce que c'est plus efficace, et bah tu pourras grâce au système de matchmaking. Et là, tu vas voir, j'arrive sur la map. Elle est magnifique. Et voilà. On va faire la première quand même, tu vois. Pour la première, hop là, je clique dessus. Et là, bah, on va entraîner un petit peu. Hein. Faut vraiment s'entraîner, hein. Y a pas de mystère. Plus tu t'entraînes, plus tu vas t'améliorer. Hein. Et aussi, je te conseille de pas rester dans ta zone de confort. C'est-à-dire de changer tous les jours d'exercice, tu vois. Pas faire toujours les mêmes exercices et les mêmes maps edit. Non, un jour tu vas faire de l'aim, l'autre jour tu vas faire de l'edit. Et tu peux faire des séances, des petites routines. Par exemple, pendant une semaine, tu dis, il faut que j'entraîne mon solo build et mon aim si t'as pas un bon aim. Et une fois que tu maîtrises ton aim, et bah, t'entraînes autre chose. Parce que c'est le but, hein. Le but c'est pas juste de s'échauffer et d'aller en game. Non, c'est rare les personnes qui sont parfaites mécaniquement.
Donc, tu peux entraîner des petits exercices. Bon, ce qui est très important à maîtriser, c'est quand même le solo build, l'aim, tout ça, c'est vraiment important. Donc, on arrive là-dessus. On va prendre une petite scar au calme, frérot. Hein. N'oublie pas, hein. Le code créateur, je me répète, frère, mais hein, j'ai pas encore touché un rond, gros. Allez, hop, la scar. Je la mets ici. Là, on va arriver sur quoi? Sur horizontal. Ça, je vous conseille pas. Hein. C'est... Franchement, c'est pas ouf, ça entraîne pas beaucoup. On va danser. Horizontal. Là, déjà, c'est déjà plus sympa. Time trial. Bon, et là, tu baisses et tu t'entraînes. Bon, moi, j'ai pas encore entraîné mon aim aujourd'hui, frère. Donc, ça va être compliqué. Oh non, j'ai rien eu. Ça va, frère? Ouh! Bon, pour détruire le bonhomme, c'est presque impossible. Hein. J'arrive à le détruire assez simplement, mais à la manette, hein, en loupant aucune balle. Et là, tu t'entraînes, gros. Soit tu t'entraînes comme ça, ou tu t'entraînes en baissant un relevant. Voilà. Et là, tu vas entraîner vraiment ton aim. Et encore, là, c'est contre des bots. Donc, c'est pas ça qui va t'entraîner le plus. Je vais te montrer, gros. Je m'entraîne là. Ensuite, bah, je m'entraîne en vertical. Et voilà. Et là, il est où le bot? Et là, voilà. Ça aussi, ça entraîne pas mal. C'est assez chaud au début. Mais après, tu t'habitues, quoi. Hop, 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 hop. Et voilà, nickel. Et franchement, il y a pas mal d'exercices pour t'entraîner. Il y a aussi un petit exercice sympa avant de faire l'autre map, c'est bounce. Je choisis là, time, et là, voilà. Là, t'entraînes totalement ton aim. Hop, 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 hop. Putain, il est pas ouf, mon aim. Ça entraîne vraiment l'aim. Hein. À l'air, frère. Wouh, ouais, c'est bon, gros. Fini de rigoler, on va rentrer dans le dur, dans la map qui est... Ouh, bellissimo, c'est pas le chief et l'élo. On va mettre en aléatoire comblé. En plus, il y a des exercices, mais qui sont incroyables, des exercices de glider, tu vas voir, c'est... Si tu connais pas, frérot, c'est une dinguerie, tu vois. Et si t'es sur la vidéo, c'est que t'as pas un aim incroyable. Donc, viens pas me dire, ouais, je connais les maps. C'est sûr, frère, si t'as 40 milliards d'earning et que t'es un putain de pro, tu connais les maps, évidemment. Allez, let's go. Hop là. T'es obligé de mettre ce code de map. Donc, le code de la map, je le mettrai en description si j'oublie pas. Bon, bien évidemment, faut mettre ce code de map pour pouvoir voir le matchmaking. Donc là, tu vas pas choisir aim assist on, vu que t'es clavier souris, tu mets off. Et là, bah... Rider, Rider, it's a good editor. Mon accent éclaté, frérot. Voilà, là j'arrive, je dois attendre. Voilà, que quelqu'un arrive. Et s'il y a personne, je reviens au menu et je relance. Voilà, Twitter Rider, Code Creator, RPG Gaming FR. Oh, frérot, comment ça va? Ah, mon coco. Et là, je vais vous présenter une petite dinguerie. C'est quoi cette danse, frère? Eh, hey, touche pas à Lama. Touche pas à Pedro. C'est parti. Regarde. On peut prendre par exemple une petite scar. Et là, bah voilà. Il a pas d'arme, frère. Mais il est débile celui-là. Faut une arme, mon coco. Mais il est débile, frère. Faut une arme. Oh mon dieu, mais j'en vois des handicapés, frérot. Allez, on va relancer. Hein. Mais là. Eh, hey, des fois. Je juge pas, mais t'en as franchement. Entre ceux des fois qui ont un putain d'aimbot et ceux où t'as 10 000 HP en l'air et touche même pas une fois. Une fois en 10 minutes, frère. Bon, chacun a son niveau, gros. Mais là, faut pas abuser, gros, de tomber sur des phénomènes comme ça, frère. Bah, au moins, ça divertit la vidéo, mais quand même, un petit peu de respect, Mino. Allez, c'est parti. Là, il faut que j'entraîne mon aim un petit peu, tu vois. Allez, on attend. J'espère qu'on va pas tomber sur le même, hein. Bon, en premier, on prend le pompe. Non, 10 000 HP, t'abuses, frère. T'abuses, frère. Non, 10 000 HP, gros, abuse pas, frère. Viens là, viens là, viens là. 10 000, frère, c'est trop 10 000, gros. Oh là là, il est dégueulasse. 10 000. Et là, t'entraînes ton aim, et franchement, je crois qu'il a 10 000 HP, le mec. Hop là, hop là, hop là. Ouais, c'est bon, j'ai pas besoin d'entraîner mon aim. Non, je rigole. Non, ouais, faut que je l'entraîne. Bah ouais, il gagne forcément, il a 10 000 HP, frérot. J'en ai 2000. Allez, par contre, maintenant, fais mon exercice. Et là, tu vois que ça entraîne pas mal et t'as tellement d'exercices, gros, c'est insane. Maintenant, on va le faire à la scar. Allez, 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 allez. Ouh. Voilà, et là, tu vas voir que cet exercice, je le kiffe parce que j'ai pas un putain d'aim. Non, c'est moi qui commence. Oh. Quand je te dis que j'ai pas un putain d'aim. Ah, il faut vraiment que je le traîne, frère. C'est une question d'habitude, gros. Mais regarde mon aim, gros. Il est éclaté. Franchement, c'est une très bonne map. Là, je regarde un petit peu, frère. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est de vous montrer vraiment l'entraînement. Il faut pas avoir honte d'avoir un shoot éclaté. Moi, c'est que en l'air où mon shoot est pas incroyable. Sinon, vraiment, mon shoot, ça me vantait. Il est assez carré dans l'axe. Hein. Mais arrête de faire des tours comme ça. Je vais te soulever, frérot. Allez, on le shoot. Ouais, double tête, frérot. Let's go. Combien on a fait? Oh, je vois pas. Et franchement, ça entraîne. Et après, c'est chacun son tour. Et des fois, il y a des enfoirés qui quittent carrément. Hein.
Bon, je me suis un peu concentré, mais j'ai pas un aim incroyable vu que je l'ai pas trop entraîné, mais ça va encore. Franchement, avant, je loupais toutes mes balles. Je parle bien sûr en l'air, hein, parce que sinon, l'aim, franchement, il est carré, tu vois. Là, lui, il va pas me louper, frère. Ah, j'ai rien dit, gros. J'ai rien dit. T'as oublié le code créateur, toi. Et je l'ai dit combien de fois, le mot code créateur, gros. Regarde, là, je vais le troll. En vrai, il a un bon aim, ça va. Y'a pire. Et là, le but, c'est de s'entraîner à esquiver ses balles. Wouhou! Oh! C'est pas ouf, là, frère. C'est également le conseil que je donne. Si jamais tu veux tirer sur un mec en l'air, faut que tu tires où il va être et pas où il est. Hein. Sauf si tu tires balle par balle. Parce que sinon, tu vas louper toutes tes balles, tu vois. Faut vraiment pré-shot le déplacement de ton adversaire pour pouvoir mettre toutes les balles. Comme ce qu'il vient de faire, là, tu vois. Et là, j'ai gagné ou j'ai perdu? Ouais, j'ai gagné 7700, frère. Ah ouais. Après, je l'ai touché un peu en bas, mais quand même. Un conseil, ne faites jamais 10 000 HP. Pourquoi? Parce que le but, c'est de varier et pas rester 3 ans dans la même map. Hein. Ouais, j'ai gagné. Je suis le meilleur. Non, je rigole. Non, 10 000 HP, c'est trop long, frère. Ah, j'avais 600 HP quand même. Ouais, bon, c'est mon petit côté talentueux, quoi. Non, je rigole. C'est RPG Gaming. J'espère que la vidéo tutoriel t'aura plu. Hein. N'hésite pas à me donner des idées de tutoriels que je pourrais faire en vidéo. Hein. Cette idée de tutoriel a notamment été faite parce qu'on me l'a quand même pas mal demandé. Hein. J'ai pas mal d'autres astuces en shoot sur clavier souris et à la manette. Donc, n'hésite pas. Hein. Franchement, tu laisses ton pouce bleu, tu partages, tu t'abonnes. Tu rejoins le serveur Discord parce que moi je kiffe faire des vidéos, aider du monde, je kiffe. Mais si je pouvais aider plus de monde et agrandir le public pour pouvoir toucher un maximum de personnes, ça serait mieux franchement. Je te le dis clairement, hein, c'est compliqué tu vois. C'est difficile de faire des vues et de monter et d'aider du monde. Mais si jamais tu partages, si tu mets du tien, il y a moyen. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Gros, je suis un fou. N'hésite pas à mettre le mot lumière dans les commentaires. Je sais pas pourquoi je dis ce mot là. T'en as, c'est comme ça moi ma chaîne. Soit on me kiffe parce qu'on aime bien ma personnalité, ce que je dégage, la manière dont je commente et j'anime. Ou soit on me déteste parce qu'on dit oh non c'est un gamin, il est immature. Alors que dans la vraie vie je suis pas comme ça. Et que là j'anime, j'apporte quelque chose, une valeur. Et c'est pour ça que par la suite j'ai envie de pouvoir animer, faire commentateur, coach, animateur, tout ça quoi. Parce que je kiffe et c'est ce que j'aime partager. Et je le fais via ma chaîne, même si ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et que j'ai toujours pas réussi, c'est pas grave, Mino. C'est pas grave. Voilà, c'est RPG Gaming. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et oui, je te regarde, toi, dans la petite caméra, là. Ça se trouve, t'es en train de manger des crunch. Et tu viens de mettre le code créateur RPG Gaming FR, tout simplement. Et t'as rejoint le Discord. Même si t'as pas d'argent pour me soutenir financièrement, hein, je force personne, hein. Je vais pas faire comme certains TikTokers. Et bah, tu peux partager, regarder mes pubs. Juste, tu vas dans la description. Et voilà, le fait de t'abonner à mon Twitter, mon Insta, etc., ça me soutient et ça me donne de la force. Donc merci à toi. Voilà, je vais pas te retenir plus longtemps, c'est RPG Gaming. Allez, à plus les bannières des plaines et ciao tout le monde!